Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pépite du dimanche. Et aujourd'hui on va faire du Xbox. Alors je connais pas du tout ce jeu, mais je suis allé voir, comme il est apparu sur le Game Pass, je suis allé voir un peu les avis et tout ça. Et ce jeu est très très bien noté, il s'agit de Psychonauts. Eh bah écoutez, on va tester ça du coup. J'aime bien découvrir des choses comme ça. Truc hip-hop, j'ai dit tiens c'est bizarre. C'est un des rares jeux Xbox première gen qu'on a sur le... D'accord. Ah, il attendait que je fasse quelque chose. Maman. D'accord. L'esprit humain. 1000 km de fibres synaptiques. 16 centilitres de liquide crânien. 1500 grammes. De matière neuronale. 1,5 kg de rêve. Mais je vais vous dire ce que c'est vraiment. C'est le champ de bataille suprême. Et aussi, l'arme suprême. Les guerres de l'époque moderne, l'époque psychique, se déroulent toutes quelque part parmi ces humides et fragiles ondulations. À compter de ce jour, vous êtes tous des soldats de l'esprit, des parachutistes du paranormal, des marines mentaux prêts à s'embarquer pour l'aventure de leur vie. Ça, c'est notre objectif. Et ça, c'est votre artillerie. Vous attaquerez l'ennemi sur le terrain du mental. Vous chasserez ses rêves. Vous combattrez ses démons. Vous vivrez ces cauchemars. Ceux d'entre vous qui sauront se battre se retrouveront sur le chemin qui fera d'eux des agents secrets internationaux. Ils deviendront des psychonautes. Et les autres mourront. Les enfants, vous n'allez pas mourir. Eh bien, si on n'est pas psychonaute, il ne sert à rien de vivre. On m'a dit que ce n'était qu'une colo. Dogan, ne t'en fais pas pour le coach Oleander. Je viens depuis des années. Et crois-moi, il ne se passe jamais rien. Ouais, Dogan, écoute Lily. Tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit. À part pour le monstre géant qui vit dans le lac dont je t'ai parlé. Bobby Zilch, je t'ai dit d'arrêter de faire peur à tout le monde avec cette vieille légende. Je ne veux pas que les enfants aient peur de se promener la nuit sur les chemins parfaitement sûrs de la colonie de vacances psychique du Rock qui murmure. Et nous ne voulons pas effrayer nos invités, les psychonautes de choc Sacha Nine et Mila Vonello. Wow! C'est le monstre! Ah! Information. Pas de panique. Ah! Oh, ça résiste! Vite, attirons-le ici. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un petit garçon. Qui es-tu, trésor? Je vais le savoir. Impossible! Ah! Mon nom commence par un D. Et Rasputin. Oh, oh. Mais tout le monde m'appelle Raz. Ne nous tue pas, monstre du lac! Fascinant. Blindé comme un char. Désolé du retard. Je ne veux pas perturber ce briefing, agent Oleander. Agent Nine, Vodello, allez-y, continuez. Où crois-tu aller comme ça? Tu as pénétré dans un site de formation gouvernementale hautement classifié. Je connais cette voix. Génial, non? Écoutez, si je m'asseyais ici bien sagement avec les autres cadepsies. Salut, ça va? Cool, ton chapeau. Il faut expulser ce jeune garçon d'ici immédiatement. J'appelle ses parents. Quoi? Mais...
Vous n'entraînez pas des psychonautes ? Si, trésor, mais... À s'élever dans le plan astral. À faire la guerre psychique aux ennemis de la libre pensée. C'est le texte que j'ai écrit sur la couverture de la brochure ? C'est pour ça que je suis là, Coach Oleander. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette brochure ? Vous êtes né avec un vrai don. Mais aux yeux de votre entourage, c'est une malédiction. Votre mère a peur de vous. Et votre père vous regarde avec les yeux pleins de honte. Venez à la colonie du roc qui murmure, et alors tout changera. Chez vous, vos pouvoirs font de vous un paria, un exclu, un isolé. Mais dans ce dojo de l'esprit, vous deviendrez un héros. Donnez un lit à ce soldat. Bon, trésor, tu peux rester en attendant que tes parents viennent te chercher, mais tu ne peux participer à aucun entraînement paranormal sans l'accord de tes parents. Désolé. Waouh, t'en as de la chance. Tu seras bientôt chez toi. Non. Chez moi, je suis traité comme toi, Dogen. Rejeté par ma propre famille. Déjà, c'est Donald Renew qui fait la voix de Raz. Ici, j'ai une chance de devenir quelqu'un, de prouver ma valeur. En venant me chercher, Dogen, ils compteront retrouver Raz, l'enfant. Mais ce qui les attendra, à leur grande surprise, c'est Raz, le psychonaute. Et tu leur feras sauter la tête ? Non ! Tu fais ça, toi ? Non ! Enfin, si, une fois. Mais maintenant, j'ai ce chapeau spécial. C'est peut-être Martial le Minou que j'ai reconnu. Mais il a des défenses mentales jamais vues chez un sujet aussi jeune. Si je pouvais mener quelques expériences dans mon labo, je suis sûr qu'il supporterait bien plus que les autres. Ce gosse est exceptionnel, Nine. Mais je ne vous laisserai pas transformer ce gamin en sujet d'expérience. J'ai de grands projets pour lui. Beyond Good and Evil, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé. C'est lui qui parlait dans Beyond Good and Evil. Bon, c'est la même époque, je pense, hein, de toute façon. Toute chose quoi, là. Bon, on va garder ça. Hein. Je pense que c'est hyper propre. Je sais pas si c'est... si c'est lissé ou quoi, quand ils envoient ça sur le Game Pass. Mais c'est hyper propre. Je pense que c'est agréable de jouer à ces vieux jeux sur le Game Pass. Du calme ici. Demain, c'est le grand jour. Je veux voir toute votre bande d'avortons dans ma classe à 6 heures pétantes. Est-ce que c'est clair ? Je suis l'hirondelle et mais... vous les vers de terre, compris ? Maintenant, on dort ! Bon, examen oculaire avant qu'on commence. Hein ? Regarde là-bas, s'il te plaît. Non, par là ! C'est quoi ? Oh, c'est un marqueur de défi psy. L'équipe en met dans tout le camp pour tester les élèves. Chaque marqueur trouvé te fait progresser d'un rang entier. D'accord. Maintenant, regarde en haut, tu veux ? Certains des vieux marqueurs sont en ruine. En cherchant un peu, tu en trouveras des bouts qui traînent. Si tu trouves assez de ces cartes psy, tu pourras les réunir pour faire un nouveau marqueur de défi. D'accord. Mais tu devras acheter un noyau psy au magasin pour les relier ensemble. Continue à grimper et bien vite, tu pourras employer de nouveaux pouvoirs psychiques. Ça fait déjà 10 minutes qu'on n'a pas joué. Je ne savais même pas capable. Peut-être faire quand est-ce que je deviendrai un psychonaute ? Parce qu'il faut que je le sois avant que mon père vienne me chercher. Du jeu PS2 normalement, parce qu'il est sorti sur PS2 aussi. J'ai l'impression de le connaître. Mais c'est pas possible, et je pense que... Ok.
Ah, ah non, c'est hyper propre. Eras, dépêche-toi. Tu ne voudrais pas être en retard pour la formation de base. Wouhou, la formation de base. Bon, les spécialistes, dites-moi. Les spécialistes Xbox, dites-moi si c'est juste son lycée quand ils arrivent. Un enfant était en retard en formation. Je vous le dis pour la dernière fois, non. Seul Game Pass, parce que c'est franchement trop propre, quoi. Je ne ferai jamais ça. Je suis incapable de tuer tout le monde. Hot. Oh, salut Raz. Problème d'écureuil. Ce sont des menteurs, c'est tout. Quoi qu'ils disent, ils mentent. Sans doute, si tu le dis. Tu vas en cours? Ouais, on se retrouve là-bas. Dès que j'aurai fait taire ces bêtes-là. Tu veux de l'aide? La ferme. C'est ma faute. Sûrement pas. Oh non, je sais pas quoi dire. Ok, ça, tu l'avais cherché. Tu vas en cours? Ouais, on se retrouve là-bas. T'es chelou, toi. Me dis pas que t'entends encore du monde, parce que... C'était chelou, cette séquence. Oh, il y a une carte, là. What? Ok. C'est quoi, Y? Ah, les rockers murmurants. Ok, donc c'est une petite phase aventure. Pourquoi vous n'êtes pas au cours de 3D. Attends, tu rigoles? Un élève est mort pendant ce cours l'an dernier. On m'a parlé de plusieurs élèves, Phoebe. Moi, on m'a dit que c'était des élèves aveugles et que le coach les avait poussés d'une falaise. Ouais. Parce qu'ils étaient en retard en cours. C'est un peu carré, les graphismes. Mec. Mais... Où on en était, Quentin? C'est propre, en fait. Et par pire, est-ce que tu veux dire c'est le pas meilleur, baveux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je pensais. Non, je veux dire le pire. Tu sais que cette cabane est vide, hein? Ouais, je m'entraîne pour ce soir, quand elle sera pleine de filles. Il faut s'entraîner à ce Je pense que c'est un jeu que vous avez déjà eu. Excuse-moi, mais mes parents me laissent voir des films interdits au moins de 12 ans. Ah ouais, je crois on va parler beaucoup de Xbox. Enfin, on a parlé beaucoup de Xbox ces derniers temps. Parce que bah, j'ai trouvé plein de trucs sur le Game Pass pour vous les présenter. Donc c'est très cool. Attrape, quoi. Ah, on peut monter, là. Il y a des ch'tarbés. Répondez, Polarissima Australis. Qui parle? Bon, on va aller à l'histoire de cours, là. Tout vandalisme sur les installations du camp entraînera une expulsion immédiate. Ok, ouais. Moi, ça me fait délirer ce genre de délire. C'est-à-dire que le background est quand même intéressant. Il y a une vraie histoire. J'ai vu un truc. Où est-ce que tu vas, Malouf? Chut, je sèche. Ce cours est un piège mortel pour cingler. Écoute, le coach est fort. Au début du cours, il te met dans son esprit. Et puis, tu ne peux plus rien faire. Mais à l'intérieur, tu peux utiliser ses selles pour te tirer. Prends les miens, je n'en ai plus besoin. Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Trop tard! Bobby! Hé, petit, tu me dois 5 points de flèche pour ta protection. Mais lui... Semaine. Allonge, Malouf. Ou bien c'est lui qui va t'allonger. Les personnages sont tranquille. Complètement délirants. J'ai entendu dire que t'avais été élevé dans un cirque. Alors, je vais te le dire avec des mots que tu peux comprendre. C'est moi, le costaud du coin. Vraiment? Parce que tu ressembles plus à une barbe à papa. Avec... Belly, marque sur 3. Ma liste qu'il faut que je le tue. Carrément. Viens, on le verra en cours. Ouais, on réglera ça sur le champ de bataille.
Alors. D'accord. Alors, secours, c'est quoi cette histoire? Coach Oleander, je viens pour la formation de base. Petit, tu te rends compte que pour suivre ce cours, tu vas entrer dans mon esprit et que tu vas devoir revivre chaque souvenir douloureux de chaque bataille que j'ai menée. Ça va être moche. Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu tous, au soleil hein. avant, hein? Je suis prêt, chef. Alors, dans ce cas... Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Tu es en retard, soldat. Entre là-dedans et fais-moi 20 pompes. Oh, alors c'est ça, le monde mental. On dirait un cabinet de dentiste. Un cabinet de dentiste mental. C'est un bureau de recrutement, petit, et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde. Devenir un psychonaute. Vous mènerez la guerre pour la liberté mentale. Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort? Non. Parce que c'est votre dernière chance de dire non. Oh, non. Moi, monsieur, je crois que je vais dire non, monsieur. Trop tard, soldat. Mais vous disiez... Il n'y a qu'un moyen de partir. Combattre. Ok. Je veux que l'un d'entre vous m'envoie un coup de poing dans les dents. Mais je vous préviens, si ça peut faire. Si vous le faites, ce sera la guerre. Bon, bah, faut savoir. Trois dans le menton. Voilà de quoi je voulais parler. Le mec. C'est quoi ce parcours du combattant? Le mec se fait défoncer. Mais il vient... Un parcours du combattant mental. Il n'est pas mort. Ça croit et je vais aussi virer ta projection. Ah, je peux couper en fait. Ok. Est-ce qu'il y a double saut? J'ai appuyé, t'es Mais t'es un malade. J'ai appuyé, gros. Oula, alors d'accord. Ça... Ah ouais, ça joue comme ça. Ok. Ça veut se la jouer comme ça. Ok, donc faut pas aller trop près des bords. C'est très propre, ça me fait beaucoup penser. Je sais pas pourquoi ça me fait... Enfin, c'est peut-être les voix. Ça me fait beaucoup penser à Bingo la nouvelle, en fait. Une bribe. C'est quoi une bribe? D'accord. Fais-moi le cochon agile. Qui est le petit cochon du coach? Quoi, quoi, quoi? Hey, qu'est-ce que tu regardes? On a tous un bagage émotionnel, petit. Et si tu te rendais utile, fais un peu de tri pendant que t'es là. D'accord. Cherche une étiquette qui correspond. Elle peut être n'importe où. Une étiquette? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mes boyaux servent plus que toi, Lambin! La voilà! T'as les doubles sauts, c'est chaud. Si on n'ose pas aller trop près du doigt. Sauf si tu préfères laisser tomber et faire 20 pompes. Faut que je retourne derrière? C'est un délire ce jeu. Oula. Ouais, ouf. Montre-lui qui commande. J'ai pas compris. À quoi ça sert les...
les trucs là, ça, tout ça là. Ah, c'est des bribes. J'ai pas compris à quoi ça. À quoi ça servait? Attrape ce poteau. D'accord. Ok. Non, mais t'es fou, toi. T'es fou. Alors, ça va faire comme les Mario. Pourquoi il parle en allemand? Ah, il y a un poteau là. Attention, il y a du feu en dessous. Merde, ah, il était. Ils sont 8 ce con. Moi, j'ai pris le risque. Une route secrète ailleurs. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que t'es plus fort que moi? Oui. Le nouveau? Pardon? Toi, t'as l'air débile. Je suis pas débile. C'est toi le débile. Le coach est débile. M'as entendu ou quoi? Le colo est débile. Ce truc qui vole vers toi est débile. Quoi? Le pied de Bobby Vich, débile. Crétin de nouveau. Ouais. J'adore l'ambiance. Je trouve l'ambiance incroyable. Ah, salut. Merci de m'avoir sauvé. Ben, en fait, je voulais sauver cette plante. Je n'en avais jamais vu de si saignante. Moi si. Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent. Tu fais des cauchemars? Oh, j'ai lu comment on fait pour les chasser. Tu me laisseras en voir un? Non. Ok, j'ai cru voir un truc là. Il y a clairement une plateforme qui tourne. Oh, mais il y a des trucs en bas là. On dirait un escargot qui remonte une pente enneigée. Attends, mais il y a des trucs en bas là. Mec. Clairement en fait. Bien. Oh. Pas du tout ce que je voulais faire. Wow, wow, wow. Putain, je vois pas trop. Oh putain, vous me connaissez. Les plateformes 3D. Et moi. Ouais, j'ai sauté. J'ai sauté, mec. J'ai appuyé. J'ai vraiment appuyé. C'est vraiment dommage de me faire ça. Wow. Attends. Oh non, j'appuie. Oh, c'est chiant. Ah, ça c'est chiant. Oui, bah c'est chiant aussi. Hein. Ah, il y a un vrai problème de maniabilité. Les plateformers de 3D de l'époque. Joie. Oh la joie. Ma gueule, j'appuie, bordel. J'appuie, je vous promets que j'appuie. Allez, monte. Non, tu fous de ma gueule, j'appuie. Ah, c'est relou ça. Ça, c'est relou. C'est là qu'on voit le. La différence entre les jeux de l'époque et les jeux de maintenant. On est peut-être un petit peu trop habitué à être aidé. Aïe 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 aï
c'est un ouf. Je sais pas si je saute en double là. Mais attends, il y en a un là. À toi de jouer, petit. Mais j'appuie, je vous promets que j'appuie. Ah, 25 minutes en plus. Ah ouais, il va falloir qu'on arrête. Dommage, on va être obligé d'arrêter. C'est dommage, j'aurais dû couper peut-être le début. Mais j'aime pas enlever le contexte dans les vidéos découvertes. Franchement, bah, ça a l'air... Je pense que c'est un bon jeu de l'époque. Ok, on a réussi. On va s'en sortir. Je sais pas où on était en fait. On voit rien là par contre. C'est un peu chiant là. Je parle pas allemand. Je suis tombé. Putain, je suis retombé. Non, c'est bon. C'est con là, je voyais rien. Avec les lumières, je vois rien du tout. Dès que c'est loin. Dès que c'est noir, c'est compliqué pour moi. Attends. Là, il y a le trou. Moi, je veux aller par là. Je peux aller par là? Ouais. J'ai l'impression. Hein. Je peux aller par là. Allez, on grimpe, soldat! Putain, je peux rien faire, en fait, là. Je suis nu ici pour... Attends, ça monte, là. Ah oui, ça monte. Ok, super. Où là? Non mais ah voilà, c'est ce que je voulais voir. En fait, sans bris, mais on est. On gagne un niveau. Qu'est-ce que tu m'as fait là? What the fuck? Longer. Ouais, excuse-moi, je prends mon temps, mais je découvre. J'entends rien, tu parles trop lentement. Je sais pas où je vais là. Ah, il y a un truc là. On va pouvoir y aller. Ok. Oh là là, ne bouge pas trop la caméra, s'il te plaît. C'est dangereux. Oh, mes boyaux se remuent plus que toi, Lambin. Oh, ok, super. Ok, on rate des trucs, mais c'est pas grave. Je voudrais monter. Sur ce genre de mur, tu peux grimper en haut, en bas, sur le côté, comme tu veux. Ok. Mais grimpe dessus. Vite, comme un macaque. Quoi? Hé, hey, doucement, nouveau. Si tu passes, Bobby et moi, on aura l'air d'idiot. Et Bobby va te cogner du... Rien à foutre. Tu m'entends? Ah, mais putain, t'es pas accroché. Oh la vache. T'es sérieux? Moi je pensais vraiment que je pouvais m'accrocher là. Il y avait quelque chose sur la droite là, il s'est foutu de moi là. Là il n'y a rien sur la droite là. Il a pas voulu que je m'accroche. Si, mais alors pourquoi il me l'a pas fait tout à l'heure? Ok. J'ai sauté. J'ai sauté, putain, t'es sérieux là. Allez. On est arrivé là. Elle accroche pas ce drapeau.
ça qu'on veut voir. Et on va s'arrêter là-dessus, je pense. Et voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé cette découverte. Franchement, le jeu a l'air très très sympa. Si vous avez aimé, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.